Anne-Marie a 62 ans. Depuis qu'elle est à la retraite, elle a bien du mal à boucler ses fins de mois. Sa pension est mince. Une fois ses factures payées, elle n'a plus grand-chose pour vivre. Il me reste environ 375 euros pour tout, la nourriture, l'habillement. Donc c'est juste, c'est vrai que c'est juste, puisque aujourd'hui tout augmente énormément. Gaëlle vit dans la banlieue de Nantes. Tous les matins, elle se précipite sur sa boîte aux lettres. Depuis qu'elle est en congé maternité, ses revenus ont diminué. Il faut compenser par tous les moyens. La petite pochette, il doit avoir des échantillons dedans. Gagné. Est-ce qu'on peut avoir? C'est toujours ça de moins acheté, comme on dit. Hein. Vincent est étudiant et le 15 du mois, son frigo est déjà vide. La vie apparaît super chère. Si on sort du petit plat cuisiné de base qu'on mange tous les jours, genre la mijette de poulet ou les trucs de base, c'est vrai que le marché, tout ça, c'est excessif. Philippe travaille dans une entreprise de tourisme depuis 12 ans. Il gagne bien sa vie, environ 2000 euros par mois. Mais aujourd'hui, pour faire vivre sa famille, cela ne suffit plus. Georges, bonjour. 2000 euros, c'est un bon salaire, mais pour 4 personnes, c'est un peu juste. Les fins de mois sont un peu difficiles, donc j'ai été amené à chercher un peu en dehors de mon travail d'autres moyens pour avoir des revenus complémentaires. Pour lutter contre la vie chère, Philippe, Gaël, Vincent et Anne-Marie ont trouvé une solution originale. Traquer les bons plans, chasser les bonnes affaires. Ils sont devenus les rois du gratuit. Il est midi. C'est la pause déjeuner. Malgré son salaire, impossible pour Philippe de manger au restaurant. Tout ce qui est restaurant brasserie, c'est entre 12 et 15 euros. Donc moi, je n'ai pas les moyens. Il n'y a pas de cantine dans mon entreprise. Donc, il faut vraiment que je trouve d'autres solutions. La solution, Philippe l'a trouvée en banlieue, à une vingtaine de minutes de son travail. Tester des plats cuisinés pour des marques de produits alimentaires, c'est le moyen le plus simple qu'il a trouvé pour manger à l'œil. Aujourd'hui, la séance a lieu dans cette petite maison plutôt discrète. À l'intérieur, une quinzaine de personnes attendent de passer à table. Bonjour. Aujourd'hui, vous allez déguster des saucisses lentilles. Donc, vous aurez en fait une question pour l'appréciation visuelle du produit et après une évaluation du caractère copieux. Vous devez au minimum goûter 2 bouchées de saucisses et 2 bouchées de lentilles. Voilà. Rien à voir avec un restaurant, nous sommes ici dans un laboratoire. Murs froids, néons blafards, la décoration est plutôt minimaliste, mais peu importe, la nourriture y est gratuite. Alors, je vais vous servir la première recette de saucisses lentilles. Pas de choix dans le menu, aujourd'hui c'est saucisses lentilles. Philippe a connu des jours meilleurs. Largement. Pour chaque plat, les convives doivent noter leurs impressions. Philippe n'est pas tendre, pour lui c'est plutôt mauvais. Le but du test est de mettre au point la meilleure recette avant sa commercialisation. Mais pour ce père de famille, peu importe la qualité des produits, il mange dans ce genre de laboratoire au moins 2 fois par semaine, car avec son budget, il n'a pas le choix. C'est assez copieux, ça fait vraiment un très bon repas. Voilà. Donc c'est une cantine gratuite, on va dire. Ça me fait économiser 35 euros à peu près, même par semaine. Donc c'est toujours ça, multiplié par 4 dans un mois. On va dire que dans les alentours entre 120 et 140 euros quoi, à peu près. En France, il existe une 60aine de laboratoires de ce type. Ces rendez-vous sont des lieux de rencontres privilégiés pour les amateurs de bons plans, de véritables carrefours où se croisent les chasseurs de gratuits. Vincent est étudiant et lui aussi est un habitué de ce genre de test. Donc vous allez avoir 4 quiches Lorraine à déguster et 5 cookies au chocolat. Vincent vient ici régulièrement pour économiser sur son budget nourriture. Aujourd'hui, le menu est plutôt simple, mais parfois c'est digne d'un 3 étoiles. Ça m'est déjà arrivé de goûter du foie gras, oui. Ouais, ouais. Pas encore de caviar, mais du foie gras. Sympa ça. Ouais, ouais. Il y en a du moins bon que d'autres, mais c'est sympa. Dans la cabine voisine, Vincent retrouve Anne-Marie, la jeune retraitée, une habituée, elle aussi, des dégustations gratuites. T'as trouvé comment les quiches? Oui, oui. Vous avez la fiche ouais. Je suis d'accord avec toi sur la quiche. Vous avez 5 produits à tester? Le repas est terminé, mais les cobayes ne repartent pas les mains vides.
Un dédommagement est prévu pour le déplacement et pour le temps passé. Là, je viens de manger gratuitement et en plus, j'ai un chèque cadeau de 7 euros, ce qui est quand même pas mal. Qu'est-ce que vous allez vous acheter avec ça? Là, j'en ai déjà 3-4, donc je pense que je vais m'acheter des petits DVD, des trucs comme ça. Voilà, pour me faire plaisir, quoi, pour les loisirs. 7 euros et un repas, la journée commence bien. Mais pour Anne-Marie, les bonnes affaires vont continuer. Elle connaît toutes les ficelles pour vivre gratuitement, ou presque. Elle retrouve son amie Denise à l'entrée d'un hôtel luxueux de la rive gauche. Les deux femmes ont rendez-vous chez le coiffeur. Anne-Marie a déniché un bon plan au deuxième étage de ce palace, un salon pas comme les autres. Nous sommes en fait dans une école de coiffure. Ici, les élèves ne sont pas des débutants, mais des professionnels venus en formation pour améliorer leur technique. Ces dames sont donc entre de bonnes mains. Ce qui est intéressant, ils sont là pour apprendre toutes les nouvelles techniques de coupe. Donc ça nous permet aussi d'avoir donc une coupe moderne pour un prix très modéré, il faut le dire quand même, puisque la coupe est de 10 euros. Avec le brushing. Ça, c'est très intéressant. 10 euros pour payer le shampoing et les produits de soins. La main-d'œuvre, elle, est gratuite. Et les prestations sont à la hauteur d'un salon de standing, études de la morphologie, coupe personnalisée, avec en prime un petit massage pour le bien-être des clientes. Ah, ça, c'est génial. Le petit massage, là, c'est quelque chose de... On est très jeune après. C'est un plus, ça, encore. Ah oui, tout à fait. Parce que ça, chez un coiffeur traditionnel, ils ne le font pas, ils n'ont pas le temps. Ils passent d'une cliente à une autre, ils n'ont pas ce temps à te consacrer. Hein. Les écoles de coiffure, c'est une aubaine pour Anne-Marie. Grâce à ce système, elle n'a pratiquement plus rien à débourser pour prendre soin d'elle. Ce qui me permet de continuer à être coquette, parce que bon, il n'y a pas de raison que du jour au lendemain, on cesse toute coquetterie, je dirais. Et surtout que pendant 60 ans, on n'a fait que ça. Anne-Marie vient ici toutes les 5 semaines. À raison de 10 euros au lieu de 40 environ pour une coupe dans un salon de coiffure classique, elle économise pas moins de 300 euros par an. Des astuces comme celle-ci, Anne-Marie et ses amis les collectionnent. Mais attention, traquer le gratuit, c'est un vrai travail. Quand ces dames se retrouvent au salon de thé, ce n'est pas seulement pour papoter, mais surtout pour s'échanger les derniers bons plans. Alors nous, on a notre petit filon là, c'est donc à la plaine Saint-Denis, ce sont des créateurs. Donc on y va pour essayer de la lingerie, notamment les soutiens-gorge. Tout le monde peut profiter de ces offres gratuites, à condition d'avoir les bonnes adresses. Et c'est là toute la difficulté. Il n'existe pas d'annuaire ni de liste toute faite. Pour dénicher les bons tuyaux, une seule solution, le bouche à oreille. On rencontre d'autres personnes, des dames, des messieurs, qui ont aussi des listes sur lesquelles on échange. Ah bon, en fait, si, ça, ah oui, je connais. Et c'est comme ça qu'on finit par avoir énormément d'adresses. Ces listes valent de l'or. Philippe en possède une qu'il garde précieusement chez lui, car c'est l'outil indispensable du chasseur de gratuits. Voilà, donc là, ça, c'est ma liste de numéros de téléphone. Là, il y a bien au moins 10 ans de travail, on va dire. Il doit bien y avoir en tout, je dirais, presque 300 numéros. Hein. Il y a même une liste que j'ai pu acheter par une petite annonce dans un journal, donc où il y a 3 pages. Ces listes-là, ça se vend alors? Ça se vend, oui. Il y a des gens, on peut dire, hein, qui profitent de système pour faire leur propre business hein, et qui vendent ces listes-là. Ouais. Moi aussi, ça m'a étonné, mais... Combien vous l'avez acheté? Ça, je l'ai acheté à l'époque, c'était en francs. Je l'ai acheté 50 francs et on amortit assez vite puisque quand on fait ne serait-ce qu'une seule réunion, bah, ça y est, on a déjà amorti le prix de la liste. Donc, ça vaut le coup. À votre avis, votre liste, elle vaut combien? Je peux vendre ça à 50 euros. Hein. Et je suis sûr qu'il y aurait des gens qui seraient capables de l'acheter. Ce que je vous dis, c'est amortissable en une seule réunion. Donc il n'y a pas de problème. Hein. Depuis 2 ans, Philippe vit dans un petit pavillon en Seine-Saint-Denis. Il faut payer les traites et élever les enfants, sa belle-fille, Dalal, et son fils, Alexandro, 11 mois.
Marcia, sa femme, est cubaine et ne travaille pas. Philippe est donc seul pour subvenir aux besoins de sa famille. C'est pour cela qu'à la maison aussi, il multiplie les tests. Aujourd'hui, il met à l'épreuve un détachant pour tapis et moquettes que des fabricants lui ont envoyé. On nous demande de tester l'efficacité, l'odeur également. Donc celui-là, bah, apparemment, il y avait une tache là. Et là, je vois qu'apparemment, bah, ça y est, c'est parti. Et pendant que Philippe s'acharne sur son tapis, sa femme Marcia teste un masque de beauté hydratant et sa belle-fille Dalal un gel nettoyant pour peau sensible. Dans la famille, tout le monde participe. Même le petit, même s'il n'en est pas conscient, et ben il a commencé à faire partie de la famille des tests. Ouais. Même le biscuit de bébé est gratuit. C'est tout bénéfice parce que ce n'est pas des produits comme ça qu'on a achetés, c'est des petites économies. Donc en fin de mois, ça se ressent aussi hein, sur le budget de la famille. Ça va la chérie, t'es cool là. C'est fini, ça y est, c'est sec le Mac. Alors, faut voir le résultat. Une femme nouvelle. Ah, une femme toute neuve. Oui. Comment tu te sens? Fraquita. Comme une ligne à 15 ans. Ouais, une fille de 15, on peut pas exagérer quand même. Hein. Une fois les tests terminés, Philippe garde le reste des produits pour lui. Et des restes, il en reste. Ah ben, vous voyez, là, j'ai encore d'autres produits. Tout ça, c'est des produits lave-vaisselle. Donc on m'a donné pour tester. J'en ai encore là. Vous voyez, j'en ai là. J'ai eu tout ça gratuitement. Et là, j'en ai au moins pour 3 ans. Quoi. Pendant que Philippe teste, Anne-Marie et ses amis s'amusent, toujours gratis. Direction un studio de télévision pour l'enregistrement de Campus, une émission littéraire. Soyez les bienvenus, il y a un petit buffet d'accueil pour vous. Donc si vous avez une petite soif, n'hésitez pas à en profiter, c'est pour vous. A tout de suite. Petit gâteau et boissons fraîches, le buffet est plutôt modeste, mais l'essentiel n'est pas là. Ici, les jeunes retraités vont voir des vedettes, en vrai, et ça n'a pas de prix. Oh, il y a Alexandre Jardin, il y a Jean Brosson. Voilà, moi ça me plaît. Ça me plaît, je suis contente de cette émission. Je pourrais revenir à la fin. Ça va? Oui, ça va. Alors, excusez-moi, donc comme vous êtes, vous faites partie du public de l'émission Campus, je vais vous demander de venir avec moi. Anne-Marie et ses copines sont des habituées des plateaux télé. Depuis 2 ans, elles participent à des dizaines d'émissions sur toutes les chaînes. Un loisir dont elles ne se lassent pas. C'est super, cette amie, c'est agréable. Dernier réglage, entrée des artistes, l'écrivain Jean d'Ormesson vient d'arriver, l'émission va pouvoir commencer. Avec un peu de chance, les retraités pourront même se voir à la télé le jour de la diffusion au milieu des vedettes. Regardez là, c'est Daniel. Attention, ça va très vite. Vous ne l'avez pas bien vu ? Allez, on vous la remontre, ça ne coûte rien. Merci messieurs, dames, merci à tous ceux qui ont assisté à cette émission. Mais c'est super. Oh, c'était génial. C'était génial. Jean d'Ormesson, c'est un jeune homme extraordinaire. Oh, vraiment, c'est... Je suis émerveillée de voir quelqu'un à l'esprit aussi curieux, pétillant. Bon, ça s'est bien passé, les filles? Oui. Ça vous a plu? Très intéressant. Bon. Je crois que la dame, elle revient parmi nous pour la prochaine qui a lieu... Vendredi, je crois. Non, vendredi, c'est riposte. Déjà tout mélangé. Bon, venez non, avec moi, j'ai des invitations à vous donner. Super. Je vais vous demander de vous servir. Et comme un bonheur ne vient jamais seul, aujourd'hui la production fait une distribution de livres, gratuit bien sûr. Voilà comment passer une bonne journée sans débourser le moindre centime. Si Anne-Marie est devenue une spécialiste du gratuit, ce n'est pas seulement pour s'amuser, c'est avant tout par nécessité. Cadre dans un service comptable, elle menait une vie plutôt aisée. Depuis qu'elle est à la retraite, rien ne va plus. Tout augmente. Une fois ses factures payées, il lui reste moins de 400 euros par mois pour vivre. On ne peut qu'aller qu'à l'essentiel. Hein. C'est payer son loyer, son téléphone, enfin les factures, je dirais, traditionnelles. Et puis la nourriture. Mais c'est vrai qu'avec les revenus, après, l'esthéticienne, c'est vraiment du superflu. S'acheter des CD, c'est l'exception. Sortir, aller au théâtre, au cinéma. Ça, c'est vraiment... C'est difficile à rentrer dans le budget. Difficile, mais Anne-Marie refuse de se plaindre. Elle a élevé seule ses 3 enfants. Aujourd'hui, elle est grand-mère. Et par pudeur, elle cache ses difficultés financières à sa famille. Moi, j'assume entièrement ce manque de revenus.
Et moi, je cloisonne un petit peu à ce niveau-là. Et je considère que, bon, ça ne les regarde pas. Non, ça ne les regarde pas. Pour ne pas dépendre de ses enfants, Anne-Marie continue les tests. Aujourd'hui, c'est la cosmétologie. Bonjour. Elle a rendez-vous dans un laboratoire de la région parisienne. Ici, les cobayes peuvent gagner pas mal d'argent. Sélectionnée en fonction de son âge et de son type de peau, Anne-Marie est venue pour tester une crème raffermissante. Première étape, une technicienne mesure avec précision la profondeur de ses rides. Elle applique une préparation à base de silicone qui sèche en moins de 15 minutes. Voilà. Qu'est-ce que c'est ça, là ? Donc, c'est l'empreinte de la patte d'oie de la dame. Donc, à ce niveau-là, c'est les rides qu'on a au coin des yeux, en fait. Ah oui, quand même. Hein. Quand même. C'est inexorable. Hein. Deux petits pots pour le mois. Bien. Avec ça, ces crèmes, Anne-Marie va devoir les appliquer tous les jours. Et dans 2 mois, elle reviendra au laboratoire pour vérifier si la profondeur de ses rides a diminué. C'est bien, c'est pas du tout contraignant. Hein. Alors, ils disent que la crème doit être appliquée 2 fois par jour pendant les 2 mois de l'étude. Donc là, vous économisez de l'antiride pendant 2 mois ? Pendant 2 mois. Voilà, c'est super. Puis on peut espérer qu'elle reste un petit peu au fond du pot, donc voilà, ça peut continuer. Mais et puis il y a des donc les indemnités. Alors c'est intéressant. En plus, non seulement j'achète pas de crème, mais en plus je gagne 90 euros. 90 euros, une jolie somme. En cumulant les tests, Anne-Marie peut gagner jusqu'à 3 800 euros net par an, une limite imposée par l'État. Dans la banlieue de Nantes, Gaëlle ne joue pas les cobayes. Mais depuis qu'elle est en congé parental, les fins de mois sont un peu justes. Son mari, chauffeur routier, est souvent absent. C'est elle qui gère le budget de la famille. Un budget serré, mais Gaëlle est devenue une professionnelle du gratuit. Promotion, produits remboursés, elle profite de tout. Un exemple, les gels douche, oui. Depuis que le petit, là, il est né, j'en ai pas acheté. Les laits nettoyants non plus, parce que bon, on en a cadeau maternité, cadeau, bah les cadeaux, à la longue, bah, ça en fait beaucoup. Et des cadeaux, Gaëlle en a plein ses armoires. Je ne pense pas toujours. Les cotons complètement à paquet, c'est sympa. Toi, des petites crèmes pour le soleil. Hein. Ça, c'est un cadeau de la maternité. Ça, c'est un cadeau valisette naissance. Médecin. Et encore, je te dis, il n'y en a presque plus parce que je les utilise. Renaise. Hop là! Même le chien, c'est cadeau. Un magnifique berger belge qu'elle est fière de montrer à sa belle-sœur. C'est chaud, en fin de compte, ça vaut presque 600 euros. 600 euros, mais pour Gaëlle, c'est gratuit. Un éleveur le lui a donné en pension. Ouais, avoir une belle bête, gentille et tout, un moindre coût, en fin de compte, ça c'est un bon plan aussi. Et ce n'est pas tout, la jeune maman n'a quasiment pas déboursé 1 euro pour les jouets de ses enfants. Ça, c'est valisette naissance. Ça, sans obligation d'achat, collector. Valisette naissance. Cadeau collector. Valisette naissance. Bon, là, t'as 2 cadeaux rassemblés. Cadeau avec les photos. Après, t'as toujours des petits comme ça, gratuits. Jouets, meubles, vêtements, chez Gaëlle, tout est gratuit, absolument tout. C'est le dernier truc qu'ils ont trouvé en ce moment. D'offrir des strings. Et ça, t'as ça où ? Ça, tu fais juste une demande de catalogue, t'as un string gratuit pour celui-là. Et celui-là, tu payais juste les frais de port. Ils t'offraient le... Ça, c'est une offre Internet. Internet, une mine d'or pour les rois du gratuit. Tous les jours, Gaëlle sollicite les marques pour obtenir de nouveaux cadeaux. C'est très simple, il suffit de rédiger une lettre type et de la modifier à chaque demande. J'aime beaucoup votre marque de cosmétique. Avec un S, parce qu'ils en font sûrement plusieurs. Et je serais ravie de vous faire de la publicité. Pourriez-vous me faire parvenir un ou peut-être plusieurs objets publicitaires pour compléter ma collection ? Des échantillons, des bons de réduction. Je prends les marques que je consomme, et puis je vois s'ils ont des sites internet. Et quand ils ont des sites internet, bah, je me paye le culot, oui, de demander. Et le culot, ça paye, quoi. Ça correspond à 30% de réponses positives. Faut de culotter, quoi. On arrive toujours à la même conclusion. Si on demande, on peut avoir. Si on ne demande pas, on risque pas d'avoir. Et puis, c'est positif, quoi. Les sites préférés de Gaëlle sont tous ceux spécialisés dans le gratuit. Depuis 3 ans, ils fleurissent sur le net. Lafouine, Gratissimo, Ccadeau.com, ils sont de plus en plus nombreux. L'un des plus anciens, Radin.com, est même devenu une référence.
Son créateur habite Poitiers. C'est ici, dans ce petit trois pièces, qu'il a eu l'idée de venir en aide aux radins. D'origine allemande, Tobias est étudiant quand il commence à recenser toutes les bonnes affaires. Et surprise, dès qu'il les publie sur son site, les visiteurs affluent. Je ne pensais pas avoir autant de succès. Là, les gens, sans que j'ai jamais fait de la moindre publicité, jamais dépensé le moindre sou dans la publicité, il y a 200 000 personnes qui sont inscrites en 3 ans, donc c'est vraiment... Depuis 3 ans, Tobias a publié près de 6 000 bonnes affaires. Des places gratuites pour les matchs de foot, jusqu'au développement des photos de vacances. Pour lui, pas de complexe, être radin, c'est être malin. Les radins, aujourd'hui, pour moi, ce sont des gens qui ne sont pas prêts à dépenser de l'argent inutilement, mais sans se priver de plaisir. On peut se faire autant de plaisir en dépensant moins. Donc, au contraire, si on dépense moins, on peut avoir plus de plaisir pour la même somme d'argent. Donc, autant être un radin. C'est beaucoup plus sympa. D'accord. C'est branché alors d'être radin aujourd'hui ? Je pense que c'est à la mode. Je pense que c'est à la mode d'être radin. Retour à Nantes, où Gaëlle s'apprête à faire ses courses, mais pas n'importe où. Pour faire mes courses, moi, j'ai sûrement dans le magasin qui propose la meilleure offre. Donc, c'est vrai que ça change régulièrement. Ça, il n'y a pas de souci pour ça. La jeune femme ne va pas faire ses courses comme n'importe quelle cliente. Ce qui l'intéresse, c'est uniquement les produits remboursés. Gaëlle les a repérés sur Internet avant de venir. Comment on sait que ces produits-là sont remboursés ? Voilà, ceux-là, je les sais parce que, qu'ils sont remboursés parce que sur Internet, c'est marqué que pour chaque enfant, en fin de compte, on a le droit à un paquet de pilules remboursées. J'ai juste fait une photocopie du livret de famille, donc en plus des conditions habituelles, donc c'est de la rigolade, quoi. Mais là, c'est pas marqué dessus ? Ah, c'est pas marqué dessus, là, c'est sur Internet que je l'ai vu, là. En effet, tous les produits remboursés ne sont pas forcément visibles pour le commun des consommateurs. Alors, j'ai vu sur Internet qu'il y avait un produit qui était satisfait ou remboursé. Oh ben, sinon pas. Mais Gaëlle a le coup d'œil. À ce petit jeu, elle est imbattable. Regardez, 100% remboursé. Façon crumble, façon tatin. Cas qui m'inspire le plus. Façon au pire, je vais me faire rembourser. Hein. C'est pas ce que je cherche à l'origine, mais bon, toi, en fouinant, on en trouve toujours. Oh, regarde, viens voir. Votre premier achat remboursé, ça m'intéresse, ça. Je fais des gâteaux régulièrement, moi. Toi, il y a qu'à regarder. Il faut avoir le temps de regarder, c'est surtout ça le plus difficile en fait. Le bagage t'a acheté égale un remboursé. Oh, ça se mangera toujours ça. Allez, encore dans le caddie. Son panier rempli de produits remboursés, bonjour. La jeune femme doit maintenant passer à la caisse. Mais là, c'est loin d'être simple. Allez, on va faire que des petits tickets si ça vous dérange pas. Pour chaque produit, Gaëlle doit obtenir un ticket de caisse séparé qu'elle enverra ensuite avec sa demande de remboursement. Il y en a beaucoup, madame, des clients qui font ça ? Ça arrive. Ouais. C'est toujours les mêmes, en plus. Presque. Ah oh non, pas forcément. Non ? Il ne faut pas être pressé, mais le jeu en vaut la chandelle. Au total, sur un montant de 17,30 euros, Gaëlle va se faire rembourser 14,50 euros. On aura fait quand même pas mal de tickets encore. Cerise sur le gâteau, avec ses courses quasi gratuites, elle accumule des points sur sa carte de fidélité. Et les cartes de fidélité, elle les collectionne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Je suis à 20 cartes. Je les aurais pas, je me dirais, bah oui, mais ça se trouve, j'aurais eu droit à un cadeau au bout d'un moment, donc j'aurais été malade de ne pas l'utiliser, quoi. Ça vous vient à l'esprit des fois de payer comme tout le monde les produits que vous achetez ? Payer plein pot ? Non, hors de question. Ça m'arrive pour certains produits, mais c'est que c'est vraiment que j'ai pas le choix et que je peux pas négocier. C'est l'habitude, c'est une manie, c'est ouais, c'est un tic. Ah, secours ! Merci bien. Merci, bon après-midi. Je peux avoir un petit cadeau là ? Je vois que vous avez de réserve. Bien sûr, vous avez combien d'enfants ? 2. Merci bien. Bonne fin de journée, au revoir. Gaëlle repart les bras chargés de victuailles qu'elle a obtenues pour la modique somme de 2,80 euros. Allez, inzuko ! À Paris, Vincent, l'étudiant, a rejoint son ami Vince. Ils ont rendez-vous à la banque. Les deux hommes viennent de découvrir une offre promotionnelle et ils comptent bien en profiter. Vous allez voir comment gagner de l'argent sur le dos de son banquier en quelques minutes.
et en toute légalité. Je vous en prie. En fait, mon ami aimerait ouvrir un compte et je sais que vous faites des offres de parrainage. Tout à fait. Donc, si c'est possible, de un petit peu nous renseigner sur le type d'offre que vous proposez. Le principe est simple. Vince est déjà client dans cette banque. S'il parraine son ami, elle lui offrira un cadeau d'une valeur de 40 euros. 40 euros de bon cadeau. Vincent, lui, pourra bénéficier des services bancaires gratuits pendant 6 mois avec une prime de 20 euros s'il ouvre un compte épargne. Et quels sont les frais associés en fait à ces ouvertures de comptes ? Aucune. Rien. Ça, que ce soit chez nous ou ailleurs. Mais les étudiants veulent aller plus loin. Pour que l'opération soit vraiment intéressante, il faut résilier le contrat avant qu'il ne devienne payant. Donc là, ça me semble assez intéressant. Imaginons que je veux résilier, quoi que ce soit, comment ça se passe ? Est-ce qu'il y a un délai ? Est-ce qu'il y a un prix de... Cette période de gratuité pendant 6 mois est faite pour que vous nous testiez. Donc, à l'issue de ces 6 mois, vous pouvez résilier sans aucun engagement de votre part. Et sans aucun frais. Sans aucun frais. Et c'est ça qui me séduisait dans votre offre, justement. Ouais, tout à fait. Ouais. Affaire conclue. Les étudiants viennent de gagner 60 euros en moins d'une heure et dans 6 mois, ils ont bien l'intention de clôturer leur compte sans payer le moindre centime de pénalité. Vous avez des scrupules à résilier au moment où ça devient payant ou pas ? Pas du tout. Pas du tout. Il y a un système qui, s'ils font ça, c'est qu'ils sont gagnants dessus. Donc à ce moment-là, sinon on a décidé d'arrêter, on arrête quand on veut. S'il n'y a pas de conditions de frais de résiliation et tout ça, si on a décidé d'arrêter, je ne vois pas ce qui nous empêcherait de le faire. Et je ne vois pas pourquoi on aurait des remords. Vous avez combien de comptes en banque ? Oh, 4-5. Moi, j'en ai que 2, moi. Ouais. Il ne leur reste plus qu'à fêter ça. Mais au café, l'addition est salée. 11,60 € pour 2 bières, un cinquième de la somme qu'ils viennent de gagner. Aujourd'hui, on est une société où tout est cher. Si on arrive à trouver un plan où on paye moins cher, voire on paye rien du tout, quand c'est gratuit, c'est clair que pour nous, on fonce. C'est vraiment de faire la nique à la société de consommation, de toutes ces règles qui sont établies pour avoir le consommateur. Nous, on les détourne, on en joue pour pouvoir profiter des avantages sans avoir les désavantages, sans avoir les inconvénients. Vivre mieux en dépensant moins, Philippe, Vincent, Gaël et Anne-Marie ont fait leur compte et leurs économies sont loin d'être négligeables. Il y a eu des mois où j'ai bien fait des fois 500 euros quoi, en cumulant espèces, chèques cadeaux et chèques, ouais, 500 euros. Ouais. Anne-Marie garde ses chèques cadeaux pour offrir des jouets à ses petits-enfants. Ça rapporte, mais je dirais peut-être pas en volume ou en argent, je dirais sonnant et trébuchant, mais c'est un réel complément. Pour les étudiants aussi, les profits sont intéressants. Si on doit vraiment estimer combien on économise, je dirais peut-être 200-300 euros par mois. Quant à Gaëlle, grâce à ses économies, elle a réussi à s'offrir le canapé de ses rêves. Ça y est, j'ai mon beau canapé. Relax. Peinard.